faire deux jours. Il faut aller les voir tous les jours. J'allais voir les animaux et puis bah, je me dis qu'est-ce qu'elle fait cette vache-là, debout, là, toute seule, là, en plein soleil. Bah, son veau était allongé et elle protégeait du soleil, elle lui faisait de l'ombre, quoi. Elles sont douces et... C'est une tendreté qu'on trouve dans l'assiette. Et c'est une vache qui n'a pas beaucoup de gras dans le niveau des morceaux. Il y a juste le gras qu'il faut, le persillé pour qu'elle soit tendre et goûteuse. C'est une viande très goûteuse. À l'automne, bah, c'est les couleurs elles sont magnifiques. Quoi. Ouais. Moi, rien que ça, mais ça me pose à la mer la ou de mes parents. Quoi. Mais la ferme de mes parents, c'est nous qui avons repris. Quoi. Ouais. Ça nous fait 130 hectares. Quoi. Et donc, c'est de l'agriculture, on peut dire raisonnée. Ah bah, quoi, vraiment, c'est ce que vous disiez. Il n'y a pas. Les antibiotiques, c'est uniquement. C'est juste quand elles ont besoin. Il n'y a pas d'antibiotiques en prévention. Ça, ouais. Non, c'est que quand elles sont malades, il faut bien les soigner. Quoi, voilà. Ouais. Bon, y a le bien-être animal. Tous les jours, quand elles sont ramassées, tous les jours, elles sont paillées. Et puis, elles sont 8 mois de l'année dehors. C'est ça, 8 mois de l'année dehors. Puis, elles ont de l'espace, là, on l'a vu. Eh bien, on compte 1 hectare d'herbe par vache et sa suite. Donc, ça veut dire le veau qu'elle a allaité, le veau qu'a 2 ans et l'autre qu'a 3 ans. Et puis, ben, alors, les prairies entourées de haies. On a énormément de haies pour l'été et pour quand il fait pas bon aussi, hein, quand il pleut. Et pour les protéger. Pour les protéger, hein, ouais. Puis ça vient s'en servir. Hein. C'est des animaux calmes, vraiment, vraiment calmes.